together in Alamo to fight. Oh, much blood will run over, oh, much young man's blood. The blue sky will grow cloudy, the ravens will fellow. The women will cry, awadi fit awadi. Only God can see, only God can live, only God can understand, only God. Together in Alamo to fight. Oh, mud will run over, oh, much young man's blood. Oh, much young man's blood. Oh, much young man's blood. Qu'est-ce que vous lui voulez au shérif? Il est à peine 6 heures. S'il était déjà à son bureau à cette heure-là, je serais président des États-Unis. Où est-il, votre shérif? C'est très important. Vous êtes si pressé que ça? Je ne peux pas vous expliquer. Il s'agit d'une affaire très urgente. À votre place, j'irai pas le réveiller. C'est le meilleur moyen de le mettre de mauvaise humeur. Allez plutôt là, au saloon. Il y a toujours quelqu'un. Moi, je vais taper sur mon enclume. Ça le fera peut-être tomber du lit. Thank you.
$20. Non. Avec 30 de plus. Oui, je vois. Ah, eh bien, ça ne me réussit pas de bluffer avec vous. Le bluff, c'est un art très difficile. Il faut des années pour connaître les finesses d'un bluff raisonné. Je voudrais un whisky. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Des œufs. C'est mieux que rien. Pour rien. Tu m'en feras 7 avec du lard et des oignons. Juana, t'as entendu? Oui, je m'en occupe. On va faire le dernier tour. Ça suffit, on a joué toute la nuit. Une petite minute. Avant, je vais aller boire un coup. Ça donne soif. Une bière. Tu pouvais pas l'arrêter comme tout le monde. Une bière, je t'ai dit. Alors tâche de te grouiller un peu. Mais ça fait 4 verres que tu me casses en moins de 3 jours. Fais attention. Ouais, et ça fait 3 jours que je te demande de m'apporter une bière. Dans mon pays, on l'apporte aux clients. On l'envoie pas. La bière, c'est une chose sacrée. Après ce qu'il a perdu, il trouve encore le moyen de faire le rigolo. Voilà, Altesse. Merci. Tenez. Me revoilà. Je me sens en forme. Je propose l'ouverture à 50. Non, ça va. Jouer sans moi, je trouve que c'est un peu trop cher. Ouais, moi aussi. Alors, à nous deux. La carte la plus haute. Un roi. Un as. À vous. $100. Carte. Une seule. Deux pour moi. Je crois que j'enlèverais ce mouchoir. Qu'est-ce que vous cherchez? Un as, peut-être bien. Écoute-moi bien, pauvre type. Je connais pas un seul mariole qui ait traité M. Silver de tricheur et qui soit encore là pour le raconter. Je te donne 30 secondes pour fiche le camp. Et reviens jamais ici, tu m'entends? Ceux qui se mêlent de nos affaires font pas de vieux os.
Aujourd'hui, t'as de la veine. Le docteur m'a défendu de tirer avant le petit déjeuner. Allez, ouste! Les mains en l'air. Éloignez-vous de la table. Reprends ton argent, petit. Merci. Oh, les mains. Paraît que tu me cherchais. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Shérif, cet homme-là est un tricheur. T'es fou. Edgar Silver est un homme honnête. Il a une bonne réputation et l'estime de tous les gars de Wagon City. C'est pour me dire ça que tu me cherchais? Je voulais vous avertir que les Indiens Osages sont sur le sentier de la guerre. Ça ne nous regarde pas. Les Osages s'en prennent qu'aux tuniques bleues. Ils ne viennent jamais par ici. Nous, on les dérange pas et ils nous laissent la paix. Alors, ça suffit. Donne-moi ton revolver. Attends, je vais arracher des herbes que je connais. Tu te soigneras avec. Alors, pour finir ce que je te disais, la guerre de sécession a été pour moi un désastre. J'avais qu'un frère, il a laissé sa peau. Maintenant, j'ai plus personne. Tiens, mon père se servait de ça. C'est une chance que j'en ai trouvé là. Si ça réussissait à ton père, ça me réussira sûrement aussi. Cette maudite guerre. J'avais la bonne vie dans mon ranch avec ma sœur et j'avais aucune raison d'être plutôt sudiste que nordiste. Mais un jour, j'ai dû aller à la ville pour affaires et quand je suis revenu, tout était détruit. J'avais mis le feu à la maison. Ma sœur avait été tuée. En compensation, on m'a donné ça. Je devrais le garder dans mon coffre-fort. Le quartier général des forces des États-Unis d'Amérique prend l'engagement de payer à Monsieur Bill. Et tu vois, ils sont polis, ils me donnent du monsieur. Bill Manercy, une indemnité pour le ranch et les 200 têtes de bétail. Une somme fixée par le Clarizona. Etc., etc., etc. Tout juste un chiffon de papier. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? J'espère trouver de l'argent. Et en trouver en vitesse. Je veux rebâtir mon ranch. Peut-être que je peux t'aider. Je vais te conduire chez des amis qui ont beaucoup d'idées et peu de scrupules. Quoi, tu ne reconnais pas les amis, c'est moi. Ah bon, c'est lui. C'est ma sœur, l'idiot. Salut la compagnie. Salut. Salut. Bonjour, vieux. Celui-là, qui c'est? Un camarade. J'en réponds, Carson. Avance-toi un peu. Bon, je te présente le tireur le plus rapide d'Amérique. D'où viens-tu? Il avait un ranch dans l'Arizona qui a été brûlé par les unionistes. Oh, quel honneur! Un riche propriétaire nous rend visite. Voilà deux nuits que j'ai pas fermé l'œil et si ça vous fait rien, je voudrais dormir. Va te coucher. Ça ne te coûtera rien. «
Il y a beaucoup de bétail par ici. Et nous nous servons. Tu es d'accord? Il faudrait que j'envole 200 têtes pour me dédommager. Et ceux qui volent le bétail finissent pendus avant d'être riches. Et les honnêtes gens comme toi crèvent dans leur lit, en pleurant l'argent qu'ils ont mis à leur banque. Oh, mais oui, tu viens de me donner une très bonne idée. Je pense pas que ce soit très difficile à faire et on irait tous riches. Nous ne prendrons pas l'argent, nous le donnerons. Non, doucement, vous me faites mal. Tiens, bon, ça suffit maintenant. C'est un véritable chef-d'œuvre. J'y sais encore travailler depuis le temps. Hé, j'étais un coiffeur très connu, tu sais, j'avais les plus beaux salons de Mexique. Et alors, qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben voilà, j'ai eu une discussion avec un client et je lui ai taillé la gorge, je lui ai coupé les cheveux. Et qu'est-ce qu'il a là-dessus? Avec non, quoi tu l'as collé? Ça n'a pas d'importance. Il faut que ça tienne. Regarde. Ça te va bien, hein? Et bien, espérons que personne ne nous reconnaîtra avec ça. Et les uniformes? Ou les oranges, c'est où il y en a. En avant! Qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces maudits nordistes? Bah, t'as qu'à leur demander. Loto, halte! Pieds à terre! Attends, je suis lieutenant, ne l'oublie pas. Toi et toi, vous restez là. Allons. Je suis à vous. Que pouvons-nous faire pour nos vaillants soldats? J'ai un ordre de paiement de notre trésorier, je viens retirer les fonds. $150,000? Curieux, je n'en ai pas été avisé. En général, la trésorerie télégraphie. Et ça n'a rien d'étonnant, les Indiens ont coupé les fils. Ah. Nous sommes pressés, dépêchez-vous. Je regrette beaucoup, lieutenant. Votre bon est en règle, mais malheureusement, nous ne pouvons payer sans confirmation. Si l'ordre est en règle, vous devez donner l'argent. Oh, nous le prenons. Veuillez compter. 50 000. 60 000. 60 000. 70. 70 000. 30 000. 30 000. Oh, ça suffit, nous n'en finirons jamais. Nous devons être de retour au fort avant la nuit. Et donnez-moi ça. Allons, allons, faites vite. Un instant. Lieutenant, tenez, il faut que vous signiez, ici.
ne peut pas entrer. Ordre du lieutenant. Laissez-moi passer. Bon, tais-toi. Tais-toi. Maudite vieille, tu vas te taire. Mais tu es devenu fou. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as tué? Oui, et puis après. Allons vite, à cheval. Les Indiens. Maudit peau rouge. Les Indiens osages. Bill, nos vêtements, ils les ont volés. Filons. Non, ce devait être quelques Indiens qui recherchaient le whisky. Je me fiche, il soit peu ou beaucoup. Ici, c'est malsain. D'accord, faisons le partage et après chacun ira où il voudra. L'uniforme te fait enfler la tête? Moi, je te donnerai l'argent si je veux. Écoute, espèce d'assassin, je t'ai assez vu et je refuse de rester un jour de plus en ta compagnie. Alors, on va se partager l'argent et tout de suite. Bande de lâches, Bill. Ça en fait deux de moins pour le partage. Fion. Détachez ces hommes et occupez-vous d'eux. Allons, dépêchez-vous. Ah, ah, pauvre gars. Comment ils les ont arrangés? La torture de la soif. Ah, ah, ces satanés indiens. Allons, vous êtes sauvés. C'est fini maintenant. On va vous soigner. Aide-moi. Vous sentez mieux? Vous êtes sauvé à présent. Appelez le sergent Warwick. Dites-lui qu'ils sont réveillés tous les deux. Eh ben, je suis là. Je passais par hasard et... Vous ne faites rien par hasard, sergent. Et comment ça va, mon lieutenant? Vous avez dormi pendant 10 heures. Non, 10 heures? Le capitaine veut vous voir.
Hein? Voilà des manières, lieutenant. Qu'est-ce qui vous prend? Veuillez vous présenter, lieutenant. Numéro, matricule, nom et prénom, votre régiment, votre mission. D'où diable sortez-vous? Et qui vous a enseigné la discipline? Je suis curieux de le savoir. Je m'excuse de me présenter dans cet état, mais enfin, je croyais, étant donné les circonstances... Lieutenant, un vrai militaire ne subit pas les circonstances. Il les domine. Et alors, vous vous décidez à vous présenter à moi, comme le veut le règlement? Lieutenant John Smith de Fort Alamo, à vos ordres. Et qui est celui-là? Cavalier Jim Kincaid de mon peloton. Et nous devions réparer la ligne télégraphique de Fort Alamo, et puis les osages nous ont attaqués. Et les autres? Ils ont été tués. Et nous avons eu un traitement de faveur, peut-être. Pourquoi, ça, je l'ignore. Mon capitaine, à Wichita, on nous a averti... De quoi? Que les Indiens s'étaient révoltés et que la route était dangereuse. Nous aurions peut-être mieux fait d'éviter de... Sergent, ce que vous pouvez éviter, c'est de critiquer les décisions de vos supérieurs. Oui, mon capitaine. Et vous, lieutenant, vous viendrez au rapport dès que possible. Et présentez-vous comme il se doit. Jusque-là, je ferai celui qui ne vous a pas vu ni l'un ni l'autre. Sergent, donnez-leur de quoi se vêtir. Il y a des dames avec nous, qu'ils soient corrects. À vos ordres. Bien, chérie. Oh, quel voyage! Je me souviendrai de cette diligence. Vous faisiez sans doute exprès de passer dans toutes les fondrières. Vous croyez que je l'ai fait exprès? La diligence m'appartient, madame, et je ne tiens pas du tout à la démolir. Bon, ça suffit. J'en parlerai à mon mari, le colonel Collins, et nous verrons comment ça se passe. Parlez-en au président des États-Unis, si vous voulez. Oh, j'ai tous les embêtements depuis que je m'occupe de ce poulailler. Bonsoir, madame Collins. J'espère que vous avez fait un excellent voyage jusqu'ici. Excellent voyage? Ce conducteur s'est permis de nous traiter d'une manière honteuse. Il m'a même appelé vieille poule ou quelque chose du genre. À notre arrivée, je prendrai des sanctions extrêmement sévères contre lui, bien que ce soit un civil. Vous pouvez être sûr que mon mari en prendra aussi. Je n'ai jamais fait un voyage dans de telles conditions. Bonne nuit, capitaine. Les autres femmes sont là-bas. Qu'est-ce que vous faites ici? Le confort est pour les femmes des officiers, pas pour les prisonnières comme moi. Vous êtes prisonnière? Oui, je suis prisonnière. Et maintenant, vous le savez, alors ne vous approchez pas de moi. Le capitaine Boulle a défendu à tout le monde de me parler. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes de Fort Alamo. Vous devriez le savoir. Oui, sans doute, mais il n'y a que peu de temps que j'y suis. Il vaut mieux la laisser, mon lieutenant. Vous savez, elle a fait une chose grave. Nous devons la ramener à Fort Alamo, où elle sera jugée. Il paraîtrait qu'elle a essayé de tuer un soldat. Je n'ai pas fait qu'essayer. Je voulais le tuer, ce sale ivrogne. Je regrette seulement que votre fille, si toutefois vous en avez une, ne se soit pas trouvée dans ma situation, car vous ne parleriez pas ainsi. Cavalier Kincaid. Cavalier Kincaid. Qui, moi? Êtes-vous, oui ou non, le cavalier Kincaid? Si je suis... Ignorez-vous que vous devez dire mon capitaine? Ah oui, oui. Oui, mon capitaine. Oui, mon capitaine. Ce n'est pas tolérable. Quelle tenue! J'admets que vous ayez des excuses, mais sachez qu'un militaire ne doit jamais paraître incorrect. Et ce chapeau, il est trop grand pour vous. Mais je n'en ai pas trouvé d'autres. Oh, un papillon! Cavalier Kincaid, êtes-vous fou? Garde à vous! Oui, mon capitaine! Votre attitude est inqualifiable. Mais vous allez apprendre à me connaître. Et pour commencer, vous ne toucherez que la moitié de votre prêt. La moitié? Pourquoi? Veuillez dire oui, mon capitaine, et disparaissez! Oui. Asseyez-vous, sergent. Qu'est-ce que c'est que ce convoi? Des femmes, des enfants, une prisonnière? Nous servons d'escorte. Nous conduisons des femmes d'officiers jusqu'au fort. On a même l'honneur d'avoir celle du colonel. Le moment est assez mal choisi, les osages se sont révoltés. À qui le dites-vous? Oui, je le sais bien. S'ils attaquaient en masse, nous serions un fichu pétrole. Est-ce que vous vous figurez que le capitaine se soucie d'être attaqué par ces pouilleux d'Indiens?
Il a déjà fait ses preuves. Il a envoyé tout un régiment à la mort sans sourciller. Notre régiment, mon lieutenant, le 4e régiment de cavalerie, massacré, mitraillé, écrasé, sous l'artillerie des sudistes. Et tout ça uniquement à cause d'un prétendu article d'un manuel de stratégie. Et le colonel lui a permis de faire ça? Hein? C'était lui, le colonel. Ah. Alors, on l'a rétrogradé au grade de capitaine et on l'a envoyé ici. En espérant qu'il causerait moins de dégâts dans ce commandement. Mais j'ai peur qu'il continue à en causer partout. Je serai tranquille que quand il redeviendra simple soldat. C'est pas drôle d'avoir un incapable dans une situation pareille. Excusez-moi, mon lieutenant. Je peux bien vous le dire, je trouve ça très étonnant. Ouais, c'est la première fois qu'un officier me laisse parler de cette manière-là d'un de mes supérieurs. Pour une chose pareille, j'ai dû nettoyer pendant un mois les latrines du fort. Moi, sergent, j'ai des opinions démocratiques. J'estime qu'un homme a le droit de parler sans contrainte. De quelle école d'officier est-ce que vous sortez? Annapolis? Oui, c'est ça, ce cher vieux Annapolis, hein? Bonne école. Et vous avez choisi la cavalerie? Oh, c'est une tradition de famille, oui. Mon père était un cavalier, ainsi que mon grand-père. Ah, mais nous avons beaucoup parlé, tard. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, mon lieutenant. Joe, montrez la garde. Hein? Merci, sergent. Lève-toi vite, nous décampons d'ici. D'accord. Peinture de guerre.
Il ne s'agit pas d'un Indien voleur de whisky. Les Osages ont déterré la hache de guerre. Mon capitaine, laissez-moi vous donner un conseil. Nous devons le territoire des Osages dès que nous le pourrons. Les Indiens n'attaquent jamais la nuit. Il faut lever le camp sur l'air. Sottise, lieutenant. Fuir devant deux ou trois gueux comme celui-là. D'ailleurs, ils viennent d'attaquer de nuit. C'est évident. Celui-là est venu dans le camp pour nous voler des chevaux. Et pas dans l'intention de nous attaquer. Ça suffit, lieutenant. Le règlement militaire est formel. Défense de voyager de nuit en territoire ennemi. Nous partirons demain à l'aube et pas avant. Bonjour, lieutenant. Je regrette que vous soyez obligé de rester derrière et d'avaler toute la poussière du convoi. Ne me plaignez pas. Vous êtes une fille courageuse. Vous savez supporter les ennuis avec beaucoup de cran. J'y suis bien obligée. Vous devriez en faire plus souvent. Faire quoi? De beaux sourires, vous y gagnez. J'aimerais, croyez-moi. C'est la première fois que je souris depuis longtemps. Quel sale pays, il y a tellement peu de verdure. Quel bétail est-ce qu'on pourrait y élever? Et dans mon pays, au contraire. Ah, mais ça, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes un étrange soldat. Mais oui, vous avez raison, je suis un étrange soldat, en effet. Hé, hey, Bill. Hein? Excusez-moi, lieutenant, j'ai quelque chose à vous dire de la part du capitaine. Je vous écoute. Je voudrais vous parler en particulier. Très bien. Dis donc, qu'est-ce qu'on attend pour filer? Ne t'inquiète pas, dès que je jugerai le moment opportun, nous filerons. Mais je n'ai pas l'intention d'aller me faire fusiller au fort à la mort. On sera pendu, Bill. Je me suis renseigné. Hé oh! J'ai fermé l'œil de la nuit. Notre conversation d'hier soir me trottait dans la tête. Hein? Ouais. Je n'ai pensé qu'à une chose. Et si je me rappelle bien, vous sortez de l'académie d'Annapolis. Oui, c'est ça. Et si c'est comme vous le dites, vous êtes le premier officier de cavalerie qui soit sorti de cette académie. Cette école-là, tout le monde sait que c'est une école d'officiers de marine. Peut-être que le capitaine vous croira, pas moi, je suis moins idiot. Ah non, pas ça! Il y a beaucoup trop de monde, vous n'avez pas une chance. Je ne suis peut-être pas très grand, mais j'ai assez de cervelle. Et ne crois pas que je suis ton débiteur parce que tu m'as sauvé la vie. Crois-moi, j'en ai sauvé moi aussi et souvent. T'es un drôle de gars. Je suis curieux et j'avoue que ça m'intéresse d'en savoir plus sur ton compte. Par exemple, je voudrais savoir qui tu es. Et pourquoi que t'es arrivé en uniforme avec cet idiot qui, lui, était en caleçon. C'est bizarre. Et la nuit dernière, c'est drôle aussi. Tout le monde courait dans tous les sens. T'avais qu'à prendre un cheval et t'aurais filé à toute bride. Pourquoi donc? Les coupables seuls pensent à s'enfuir. Oh, qui tu veux tromper? Perds ton temps. À présent, tu t'es trahi. Si tu avais la conscience vraiment tranquille, tu n'aurais pas eu l'idée de sortir ton revolver. Et si tu veux que je te... Thank you.
Dites donc, vous faites partie de la garnison du Fort Appleby. Est-ce que vous étiez en patrouille? Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Vous étiez en patrouille? Oui, on était en patrouille. Et veuillez ajouter, mon lieutenant, est-ce la frousse qui vous fait oublier le règlement? Non, mon lieutenant. Il faisait partie d'un détachement qui venait de Fort Appleby. Il semble qu'il soit le seul survivant. Veuillez dire votre nom. Carson. Dites cavalier Carson, sans oublier mon lieutenant. Cavalier Carson, mon lieutenant. Et Joe, regarde. Mon lieutenant, regardez. Mon lieutenant, regardez ce que j'ai trouvé. C'est destiné au fort, sans doute. Faites voir. Oui, mon capitaine. Enfin, Carson, à quoi était destiné cet argent? Moi, je peux pas vous le dire. C'est le sergent qui savait. Et l'autre sacoche? Encore vous? Et encore ce chapeau? Allez-vous, oui ou non, le porter comme il faut? Vous déshonorez votre uniforme. Vous disiez l'autre. Quel autre? Quoi, l'autre? L'autre? J'avais aucune raison de dire l'autre. Est-ce que j'ai dit l'autre? Je n'ai rien entendu. Veuillez cesser de faire le clown, hein, Kincaid? Sergent Warwick! Vous avez l'audace de prendre des initiatives en présence de deux officiers? Est-ce que c'est l'air de la frontière qui vous dérange l'esprit? 141, 142, 143, 144. Ils avaient pris tout ça, hein? Ah, ils s'étaient bien fichus de toi. Et il y en avait autant dans l'autre sacoche. Je l'ignore. Et c'est sans doute les Indiens qui l'ont. Ils ont aussi pu l'acheter, l'argent avec. Les Indiens ne connaissent pas les billets, seules les pièces les intéressent. C'est vous qui commandez en second. Et le règlement dit que c'est vous qui devez garder l'argent liquide. Alors, qu'est-ce qu'il y a, sergent? Oh, mais rien du tout. Voilà le procès-verbal. Pour la bonne règle, veuillez signer ici. Permettez, sergent. Oh. Passer par le défilé de la mort. Pourquoi? C'est le cimetière sacré de la tribu des Osages. Mieux vaudrait éviter cette route. J'ai décidé qu'on suivrait celle-là et pas une autre. Vous ne connaissez pas la région, mon capitaine. Je connais mon règlement et ça suffit. Enlevez ces ossements, dégagez la route. Passer la colonne, ils l'attendront à la sortie du défilé. Nous allons profaner cet endroit à leurs yeux. Lieutenant, je n'ai nullement l'intention de modifier notre route à cause de ces superstitions de sauvages. Et vous, finissez de débarrasser cette route. Ils les ont aveuglés avec un fer rouge.
Oui, c'est une coutume des Osages. Sergent, veuillez les faire enterrer. Et surtout que les femmes ne soient pas au courant. Entendu. Dételez les chevaux, faites-les boire. Faites décharger la voile. Et vous deux, prenez la garde. On s'arrête là? Oh, comme c'est sale. Vous, attendez. Si ces grottes sont désertes, nous passerons la nuit ici. Vous devriez rester dans votre diligence. C'est plus prudent, madame. Et je devrais rester assise toute la nuit. Vous vous moquez, non? Madame... Je ferai préparer mon lit, comme d'habitude. Je m'excuse, mais vous ferez comme les autres, c'est un ordre. Je n'accepte pas d'ordre de vous, lieutenant. Et enlevez vos mains tout de suite. Lieutenant, la colonelle Collins dormira où elle veut. Entendu, mais si elle se réveille avec une flèche dans la poitrine, elle l'aura cherchée. Quel effet ça fait d'avoir une fortune à côté de soi? Est-ce que tu l'avais? Oh, alors ne te fâche pas. Si jamais je trouve l'autre sacoche chez les Indiens, je t'en ferai cadeau au nom du gouvernement des États-Unis. Ça t'irait? Qui es-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Disons que j'aime comprendre. En particulier, je suis curieux de savoir pourquoi t'as pas filé l'autre nuit. Tu as vu ces deux hommes avec les yeux brûlés? Tu peux imaginer ce que les Indiens feraient aux femmes et aux enfants. Si je ne me trompe pas, tu es une sorte de bandit qui a quand même une conscience. Ça doit être affreux. Eh bien, maintenant, à ton tour. Puisque je suis un bandit, pourquoi ne l'as-tu pas dit au capitaine? Pourquoi je t'ai pas dénoncé? Je vais te le dire tout de suite. Hein? Parce que tu es le seul parmi nous. Le seul qui connaisse ce pays et les coutumes des Osages. Alors? Alors, t'es également le seul qui a une chance de nous faire arriver au fort. Tu penses que je vais y aller pour me faire fusiller? Tu seras pendu. L'honneur d'être fusillé, c'est réservé aux soldats. Oui, on me l'a déjà dit. Je vais te dire une chose. Quand j'arrive à la fin d'un voyage où on a risqué sa peau, il n'y a rien de plus pressé que de prendre une cuite. Et quand je suis dessoulé, je me souviens de rien. Je suis prévenu maintenant. Mais j'ai dit à la fin du voyage, alors avant, fais bien attention. Je m'en souviendrai. Sois prudent, mon garçon. Ce qu'il faut, c'est arriver au fort. Souvenir que c'est à moi qu'appartient cet argent. La prochaine fois, je te fais la peau. Enlève tes mains. Fais tout de suite ce revolver. T'as l'air d'oublier qu'on est soldat. Carson, que se passe-t-il? Que faites-vous avec cette arme? C'est cet imbécile qui a voulu me tuer en me lançant un couteau. Vous devez toujours dire mon lieutenant, vous entendez? Oui, mon lieutenant. Ça n'empêche pas que c'est un abruti... Non, il s'appelle soldat Kincaid. Vous avez besoin d'une leçon? Vous serez de garde aux chevaux cette nuit. Moi? Vous avez quelque chose à dire? Et vous autres, retournez à vos postes. On voit que t'es un soldat d'occasion. Le capitaine, lui, il aurait su comment le prendre. Il enlève la moitié du prêt comme punition. Ça va, ça suffit, hein? Et fais attention, si jamais je te revois avec ce couteau, je te le confisque.
Bonsoir, Jeannette. Bonsoir, lieutenant. Lieutenant, je crois qu'il vaudrait mieux que vous m'évitiez. Ma compagnie ne pourrait que vous nuire, vous le savez. Et le capitaine Boulle... J'ai envie de causer avec vous, je me passerai de son autorisation. Sommeil, toi? Je suis de garde, monsieur. Monsieur? Ah, dis donc, tu m'as l'air d'être un drôle de soldat. Allez, va te coucher. Les chevaux seront gardés sans toi. Et dame, écoute, foutu. Un homme ici. Oui, je l'ai envoyé se coucher. Ça servait à rien. Je préfère être là pour surveiller les chevaux. C'était une manière d'avoir l'œil sur Carson, c'est un homme dangereux. Oui, c'est ce que je pensais. Ah, c'est vrai, j'oubliais que tu es un grand cerveau, toi. Tout juste. Et je suis astucieux. Pourquoi s'embarrasser d'un type dont on n'est pas sûr? Je veux être certain que personne viendra toucher aux chevaux durant la nuit. Chez cet homme et surveillez-le, il vient d'essayer de me voler l'argent. Deux hommes ici. Allons, allons, retournez tous vous coucher. Et dépêchons. Le spectacle est terminé. Allez, allez dormir. Merci. Merci, lieutenant. Toi, tu resteras là cette nuit. Ça en fera un de moins à surveiller. Qu'est-il arrivé? Mon capitaine, il a essayé de voler au lieutenant la sacoche où il y a l'argent. Je dois avouer que je suis de plus en plus étonné. Quelle race de soldats avons-nous à la frontière? Je devrais le faire fusiller. Très long maintenant, Madame Collins. Je l'espère, capitaine. Faites-moi confiance, tout ira bien. Allons vite. Sergent, mon capitaine, qu'est-ce que c'est que ce désordre?
La route a l'air d'être libre, il faut partir. Non, je veux que vous m'expliquiez ce que tout cela signifie. J'ai réparti les chargements, les chariots, afin d'avoir un peu de tout dans chacun. Vous avez mélangé tout. Munitions et vivres, et aussi vêtements, sans doute. Comme ça, si un chariot est perdu, nous... C'est de la folie, lieutenant. Nous ne perdrons pas de chariot. C'est une hypothèse qu'un militaire ne doit jamais envisager. Oui, mais si... Je suis votre chef, lieutenant. Qu'on remette tout en place, tout de suite. Rechargez les chariots comme avant. T'auras la moitié de ta solde. Je craignais, ils sont venus nous attendre à la sortie du défilé. Il faut nous réfugier au milieu de la rivière, sur l'île. Prisonniers des Indiens. Hey! Sur mon cheval, sautez, vite! Non! Laissez-moi! Si on n'avait pas eu le temps de se réfugier dans cette île, on serait tous morts à présent. Peut-être qu'ils veulent nous tuer parce que nous avons traversé leur cimetière. Qu'est-ce que t'en dis? Je pense que ça doit être ça. C'est aussi ce que je pense, Slim. Lieutenant. Vous croyez que nous avons peut-être une chance? Dites-moi la vérité. Non, madame, nous n'en avons aucune. Mon Dieu. Je connais que j'ai mal agi en te faisant assommer avant le partage. Mais nous sommes faits pour nous entendre. Tu ne vas pas te sacrifier pour ces idiots. Filons avec l'argent, on peut encore y arriver. À condition de faire vite. Ce sont eux qui ont peut-être brûlé ton ranch. C'est des nordistes, n'oublie pas.
Cet argent est à nous, Bill. Nous avons risqué notre peau pour le voler. C'est toi qui as tout organisé. Sergent. Sergent. Voilà, mon lieutenant. Faites-le attacher tout de suite. Hé, hey, toi. Allons, avance. Comment se fait-il que vous soyez toujours là? Jeannette, vous avez tout entendu. J'aurais préféré vous le dire moi-même, mais peut-être est-ce beaucoup mieux ainsi. Nous sommes coupables tous les deux. Je me sens plus près de vous. C'est la danse des guerres. Au lever du soleil, ils attaqueront. C'est un truc des Indiens pour nous faire sortir du couvert et nous descendre. Reviens ici. Reviens, je te dis. Espèce d'imbécile. Je vous dis de laisser cet argent maudit. Si je vois encore un de vous aller dans la rivière, cette fois je le descends. Il faut envoyer quelqu'un à Fort Alamo avant que les Osages nous attaquent. Et le seul qui connaisse toutes les pistes, c'est le lieutenant Smith. Nous résisterons sur place jusqu'au dernier homme, sergent. Interdiction absolue de quitter l'île. Et si quelqu'un tente de le faire, je le ferai fusiller pour désertion. C'est un ordre. L'ordre qu'a donné le capitaine, je vais tenter d'aller à Fort Alamo. Je vous demande d'avoir confiance en moi. Oui, Bill. Reviendrai, Jeannette. J'ai le but de change. Les sentinelles ont l'ordre de tirer sur ceux qui veulent sortir de l'île. Adieu, Slim. Je te confie, Jeannette. Et aide le sergent, c'est un chic type. Tiens, prends l'argent. C'est toi qui commandes en second.
petit. À présent, les Indiens savent que nous avons envoyé chercher des renforts. Thank you.
Je souhaite pour toi que ce fusil soit chargé. Autrement, tu n'as pas une chance de m'échapper. Facilement deux chevaux, alors je vous laisse à présent. Je dois aller rendre l'argent. Personne ne pensera plus à vous deux. Il y a eu tant de morts aujourd'hui. Alors, adieu. Je suis contente que tu l'aies rendu. Bien que ça m'ennuie que tu n'aies pas d'argent pour reconstruire ton ranch. Je vais le reconstruire, Jeannette. Encore plus grand. Avec de l'argent honnêtement gagné.